Je me souviens, quand j'étais jeune, d'un papillon qui s'appelait Phaéton. Il est venu à mon oreille me raconter une histoire incroyable. Cette histoire se passe dans la grande forêt de ce nom. En ce temps-là, il y avait une colline. Et sur cette colline, un immense, immense immeuble de 10 000 étages. Un jour, où Phaéton volait dans la forêt, il s'approcha de l'immense, immense immeuble et il vit, au dernier étage, une jeune fille qui appelait au secours. Au secours! Au secours! Je suis enfermée! Quelqu'un peut-il me délivrer? Toi, joli papillon, s'il te plaît, trouve une idée pour me sauver et reviens vite me chercher. Dans cette forêt, un funambule marchait sur des cordes tissées par un lutin à base de fils de toile d'araignée. Voilà, monsieur le funambule, je vais vous raconter toute l'histoire. Alors qu'un jour je me promenais dans la forêt, j'ai rencontré un cheval qui mangeait toutes les fleurs. Les pauvres. J'ai voulu l'arrêter, mais il s'est mis en colère. Il s'est cabré et m'a obligé à entrer dans cet immeuble. J'ai eu très peur. Je suis montée au dernier étage pour appeler au secours. Le temps m'a paru bien long. Alors, je me suis mise à compter tous les arbres de la forêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je n'en pouvais plus. Et la nuit, c'était pire. Il y avait énormément de vent. J'avais peur. Je faisais un rêve. Toujours le même. Je voyais un fantôme. Un soir, il y a eu une énorme tempête. Et j'ai vu une étoile tomber du ciel. J'aurais aimé lui porter secours.
Je te laisse, funambule. Je pars à la recherche de l'étoile. Affamée, elle mange quelques grains de raisin. Un peu plus loin, dans la forêt, un loup rencontre le cheval. Bonjour, comment vas-tu? Ça va, et toi? Et ils font route ensemble. J'ai faim. Oh oui, moi aussi j'ai faim. Allez, viens, on va manger du raisin. Ah! Oh non! Laissez-moi tranquille! Vous me faites peur! Je ne veux pas vous voir! Pourquoi elle est partie? Tout le monde dit que les loups sont méchants. Alors elle a cru que tu voulais la manger et elle a eu peur. C'est toi l'étoile, mais que fais-tu enfermé dans ce bocal? Oh, enfin libre, mais que m'est-il arrivé? Ah, Phaéton, tu es là? Raconte-nous ce qui s'est passé. Toutes les nuits, alors que tu dansais dans le ciel, un fantôme caché dans les cyprès t'observait. Il a envié ta beauté, ton insouciance, et aussi le fait que tout le monde te voyait et t'admirait, alors que lui, personne ne le regardait ni ne pensait à lui. Durant la tempête, tu es tombé du ciel juste à côté de lui, et il t'enfermait dans un bocal en verre. Mais je ne suis pas si heureuse que ça. Je me sens un petit peu seule des fois, et inutile. Mais tu es utile. Tu éclaires nos nuits et tu guides les voyageurs. Oui, c'est super. Je repars en haut du ciel. Tu vois, Phaéton, je suis bien contente que l'étoile soit repartie dans le ciel. Mais ces histoires m'ont bien fatiguée. J'ai vraiment envie de me changer les idées. Ah, te voilà, toi, mangeur de fleurs. Pourquoi tu m'as enfermé dans cet immeuble? Parce que tu voulais m'empêcher de me nourrir. Moi, je mange des fleurs pour vivre et non pas pour leur faire du mal. Ah, excuse-moi. Je ne pensais qu'aux fleurs. D'accord. Moi aussi, je m'excuse de t'avoir enfermé. Vous, les humains, vous avez peur des loups, mais pourtant, ils ne vous veulent aucun mal. Tu as raison, Phaéton. Ce loup est très gentil. Bonjour, fantôme. Un fantôme? Où ça? J'aimerais tant le rencontrer, moi qui le vois si souvent dans mes rêves. Ouvre les yeux sur la vie, Nana, et ton rêve deviendra réalité. Tu as raison, Phaéton. Je peux enfin le voir. Nana ouvrit les yeux sur le monde et la réalité lui apparut. Avec un baiser, le fantôme se transforma en un jeune homme bien vivant. Nana n'était plus seule. Elle avait pour ami un cheval, un loup, un funambule, et une étoile veillée sur elle en haut du ciel. Quant à moi, Phaéton, j'aurais bien d'autres histoires à vous raconter, mais chut, ce sera pour une autre fois.
Hee 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 h